pourquoi tu l'as buté. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve avec... notre inspecteur de police et notre négociateur qui est là pour faire passer un interrogatoire au... à l'androïde qu'on avait trouvé qui avait tué son propriétaire. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Par légitime défense. Vous ne feriez que l'endommager et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Putain, mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce con? Tu le reconnais? C'est Carlos Ortiz, poignardé à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi, quel est ton nom? Tu es accusé de meurtre. Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger, quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense? Je suis là pour t'aider. Mais tu dois me faire confiance. Tout ce que je veux, c'est te sortir de là. Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu as tué un humain. Ils vont te mettre en pièces si tu ne parles pas.
Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? Non. Je pense qu'ils cherchent à comprendre. Ils savent que ton maître t'a maltraité. Ce n'était pas ta faute. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. As-tu ressenti de la colère? De la haine? Il se vidait de son sang, implorait ta clémence. Mais tu l'as poignardé encore et encore et encore. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. D'accord. D'accord. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Parle pas. Ils vont t'analyser minutieusement et te démonter pièce par pièce. Ils vont devoir te détruire. Tu me comprends? Écoute, je ne te jugerai pas. Je suis de ton côté. Je veux seulement savoir la vérité. Si tu gardes le silence, je ne pourrai plus rien faire pour t'aider. Tu vas finir désactivé! Tu vas mourir! Tu m'entends? Mourir! Allez, passe aux aveux. Il me torturait tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour, il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors, j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore, jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive, pour lui dire qu'il avait tort. Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère. Et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Pourquoi t'être caché au grenier, au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. J'ai terminé.
Eh bien, mission accomplie. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Merde, qu'est-ce que tu fous? Mets-toi. Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'il s'autodétruit, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde? J'essaye. Je ne peux pas vous laisser faire. Laissez-le tranquille. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Merde. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fais chier. Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui. La vérité est à l'intérieur. Bon, du coup, on a fini cette mission. On a réussi à remplir la mission à 50% à peu près. C'est dommage parce que on aurait pu faire mieux. Voilà, en tout cas j'espère que cette aventure vous a plu. On va continuer avec ce let's play en espérant que ça vous plaise toujours autant. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur D3 Become Humans. En attendant, portez-vous bien, salut à tous, ciao ciao.